Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Wars The Old Republic. Donc on enchaîne avec une nouvelle zone litigieuse qui s'appelle l'île perdue, où on va continuer l'histoire directe de ce qu'on a fait au dernier épisode. Donc je suis toujours avec le même groupe, Redempty et Lithian. Salut. Voilà. Et allons-y du coup. Et oui, bah oui, non mais elle, je te présente plus. C'est que t'es là quoi. On te présente plus à elle. Ah, c'était magnifique. C'est bon, je peux ça. Lancer. Alors du coup, vous allez... Ouais, non, vous y êtes pas, vous deux. Ouais, bon, prêt à décoller, donc mode vétéran. Ouais. Faut la prendre nous-mêmes. Vétéran. Ils ont oublié le modulateur de voix sur la drone. Ok, terminé la zone litigieuse, l'île perdue. Let's go. Ah, je peux pas passer par la vitre. Allons litigieuser. Ah, il y a Pluton qui te connaît pas apparemment, Els. Non, mais c'est... C'est une non, provocation. Non, c'est une planète naine. Bonne nuit, Callaghan. Au final, je suis content parce que j'ai quand même pas mal de followers à chaque fois qu'on fait un live The Old Republic. Ouais, bien. Je remarquais ça. Bon, pas forcément plus ou moins que pour les autres, mais... Il y en a une bonne moyenne en général. C'est bien si ça peut t'amener un peu plus de monde. C'est... Ouais, bah ouais. Mmh. Bah, ils sont. Enfin, là, ils sont plus que 42, mais en début de soirée, il y avait plus de 55 personnes, je crois. 42. Ouais, moi, je vais à la plage. C'est la réponse ultime. Bah oui, 42. Ouais. Donc, atterrissage sur Horde Mantel. Oh là là. Par contre, moi, je suis désolé. C'est la première fois côté impérial qu'on vient sur Horde Mantel, du coup. La couleur de l'eau me rassure pas. Oui. Juste pour voir si on regarde la map, non, c'est vraiment une map dédiée. D'accord. Non, mais tu vas reconnaître. Il y a des endroits qu'on reconnaît un peu. La texture et puis les. Oui, bah forcément, parce que ça reste la même planète. Quoi. Elle est jolie comme ça, Horde Mantel, honnêtement. C'est départ des commandos et des malfrats. C'est ouais, c'est commando et malfrats, ouais. Tu nous paies pour venir regarder ton stream. Oui, c'est vrai, en point de chaîne. Vous êtes rémunéré en point de chaîne. Mais Daxter, tu sais que ouais, je vois très bien ce que tu marques. On va pas prendre les raccourcis par contre, Lithian. Qu'est-ce que tu parles de raccourcis? Je vais rusher tous les trucs, ouais. Rusher tous les trucs. Ouais. Je veux, mais bon, les Mavericks vont faire chier. T'inquiète. Il y a des bestioles qui bouffent d'autres bestioles. Attends, mais on a aggro du coup. C'est sympa la lave, elle est très jolie. Ouais, tu peux y rester si tu veux. Non, non, j'ai pas envie de faire comme toi. Pourquoi moi? Parce que toi. Du coup, en gros, on attaque la base d'un scientifique fou qui... C'est ça? Je suis en train de me demander si ça marche. Je vais aggro, moi, là, non? Oh, ça... Non, ça marche pas. Sur une île perdue et tout, ça fait très James Bond, tu sais. Ah, l'île du méchant, puis il y a un volcan. Bah ouais, il y a un volcan et tout. Si le mec il a un pistolet d'or, c'est bon quoi. GoldenEye. Non, c'est pas GoldenEye. Non, c'est, oui. C'est l'homme au pistolet d'or. c'est ah, moi ça. C'est machin qui joue. C'est Sean Connery. Ah, Sean Connery. Ah, je l'adore. Ah, mais c'est le méchant, c'est Christopher Lee. Qui a joué l'agent 007? Oh, j'allais dire quelque chose, mais c'est une connerie. Bravo, bonne réponse. Ah, les inconnus. Ouais, s'il doit pas connaître ça. Il était tellement fort, les inconnus. Mais ouais. À l'époque, on pouvait faire de l'humour. C'est ça. Ouais, parce que leur humour d'aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui, de l'époque, ça passe aujourd'hui. C'est mort. Ouais, là. Bah, tu finis en tôle, quoi. C'est clair et précis, tu finis en tôle. Bon, allez, on va parler de choses qui ne fâchent pas. Oui, non, mais ouais, non, mais. Vous passez dans la lave? C'est pas de la lave, ça? Non, sur bah le non, bord. Tu me vois brûler? Non, on peut passer sur le bord, mais... Alors là, par contre, non. C'est aussi chaud que du sable chaud sur une plage. Ok, après. Donc là, en fait, c'est soit on prend à gauche, il y a un raccourci, ça va être marrant de vous voir mourir. Bah, on peut essayer, ouais, hein. On va essayer. Est parti. Non, AS risque de mourir s'il fait pas le bon sort, mais... Non, mais faites pas trop les malins, les deux, là, parce que je vous rappelle que j'ai dégagement. Je peux le déclencher au pire moment pendant votre périple. Bah en fait ça marche pas quand on saute. Tu verras.
Alors là, il faut sauter où, du coup? Donc en fait, tu vois en face, là. Il y a... Bah, là où il a sauté. D'accord. Il faut bien s'aligner. Et... Oh mon dieu. T'as pas fait ton truc? Non. Ouais. Pourquoi tu l'as pris le coteau sur la c'est bon. Hop. Pourquoi? Ouais, Donc, ah oui, il y a un truc, else, je m'étais mis là exprès, tu pouvais me sauter dessus si tu voulais. Attends, Non, c'est bon, c'est bon. Oui, pourquoi? Bizarre. Non, combat? Non, c'est pas non. Bizarre. Premier boss, du coup? Non, enfin, il a l'emblème d'un légendaire, mais en fait, c'est juste que c'est un monstre. C'est juste... D'accord, mais je sais pas, il y a des trucs de heal autour, en général, quand il y a des trucs de heal avec un mec comme ça, c'est que c'est un boss, quoi. Oui, parce qu'il est un peu gros, le monsieur, pour ça. Non, il est enveloppé. Ah putain, mais ces trucs, ça envoie des trucs à distance, en fait. D'accord. Ouais, 500 000 points de vie, ça va, c'est easy. Non mais c'est... Ok, c'est un mini-boss, quoi. C'est ainsi qu'il mourut 3 secondes plus tard. Tu veux que je ramène les aides derrière? Bon, alors, si c'est tu quoi veux, les hein, jours qu'on qui apparaissent? Bah, faut pas rester dedans. Généralement, une AOE, si tu la vois, tu t'écartes. Bah non, c'est rouge, mais pas jaune. Oh, mais après, plus tard dans le jeu, il y en a même qui sont violettes. Ouais. Oh, bon, alors on va être perdu là, c'est pas possible. Ce jeu est vraiment injouable, quoi. Si je me trompe pas, il y en a une, c'est sur Bestia où elles sont vertes les ânes, très pose. Si je me trompe pas. Ah, il a même ça vaut un succès quand même, le vaincre. Quoi, vous avez ah mon dieu, attention. J'attendais. J'ai mis la manipulation parce que j'ai vu le GV avec son AOE, je fais ok. En fait, t'as vu, il y a des droïdes, la sonde d'observation. Elles sont jaunes, c'est-à-dire qu'elles sont neutres. Mais en fait, dès que tu les touches, elles deviennent pas gentilles. Et si tu passes à côté en fufu, elles deviennent méchantes aussi. Ouais, d'accord, ok. Mais si tu passes à côté tranquille? Ah bah si tu passes à côté tranquillement, elles te font rien, quoi. Donc, elle est très bizarre, hein, celle-là. Par contre, Jace, t'as obtenu le succès, mais pas moi. Parce que tu l'as tué. Bah non, tu l'as tué, château. Enfin, va falloir que je te dispelle. Ouais. Bon, là, y'a pas trop besoin de dispel. Retour à l'envoyeur. Contre, non, j'en peux pas, moi. Ça s'en va, il sert à rien. Par contre, là, restez bien sur le côté. Non, mais Adaril qui nous largue des caisses, là. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Des boules puantes. J'ai bien dit rester sur le côté, hein. Bah, elle, ça a foncé directement dans le tas d'ennemis. Ouais. En fait, je pense que si tu lui dis de foncer directement dans le tas d'ennemis, il va se mettre sur le côté. Non, j'ai cru que t'avais dit qu'il fallait serrer à droite. Ah. Je suis disponible. C'est pour ça que j'avais attaqué le projet qu'on sert à droite pour éviter d'aller dans le bot. Vraiment que je soigne à Else? Non mais sérieusement les gars. Daxter, s'il te plaît, calme-toi un peu sur mon chat. Oh, il est tout court en fait. À part ça, ça fait pas mal. Hein. Tout, je veux pas tout dispel. Ah, mais j'ai utilisé aucun CD, hein. Tiens. 1246 du professeur Sanus Lorik. Ah, d'accord. Voilà, en fait, pour déclencher le boss bonus, il va y avoir plusieurs stèles comme ça. Enfin, plusieurs. Plusieurs petits trucs à cliquer. Aes, tu te mets là. Et tu bouges plus. Là, ici. Là. T'as pas un bonnet, Blanquier? Un bonnet, mais il fait pas froid. Oh, mais Jace! T'es à l'ouest! Ah, punaise!
T'as quelques attaches qu'on dit sur eux. Bon bah je fais ce qu'on me dit, hein. Je fais plus rien. Hein. Bon bah ok, j'ai compris, faut que je te livre à domicile. Tiens. Bon, j'aime bien, j'ai rien fait, j'ai attaqué personne. Et même comme ça, je me prenais des dégâts. Comment tu parles de moi? Quoi? Ah. Personne. Ça c'est sûr, t'es personne. Alors, Else, ban de la guilde. Comme il est pas mort. Personnellement, ça me dérangerait. Rapport 1322 du professeur Sanus Lorik. J'ai modifié le virus Raggul afin de créer une espèce hybride. C'est une révolution sans précédent. Les propriétés de mutation ont elles aussi été améliorées. Ces toutes nouvelles créatures sont plus fortes et plus résistantes que les précédentes générations. Malgré leur agressivité et leur puissance accrue, elles sont toujours réceptives à mes ordres. Je vais bientôt toucher au but. Tiens, je te laisse expliquer. Je vais me placer. Expliquer carrément. Ah ouais. Oh là là, j'ai déjà fait ça toute la soirée. Ouais, je vais expliquer alors. Si vous voulez, moi j'explique au pire. Hein. Non, mais c'est bon, mais. Bah, il y aura des aides à faire, il y aura la carbo à cut. Se passe normalement après l'autre sort qui fait là. Si donc, tout se passe bien, la carbo, je vais la cut. À chaque fois. De toute façon, s'il y a un problème, je te dispelle. Oui, oui. Et après, si vous avez une AOE blanche sur vous, cassez très loin dans un coin de la salle et vous posez votre AOE. Et vous vous dépêchez. Si vous... En fait, voilà. Imaginons que j'ai l'AOE sur moi. Hop, je viens dans un coin, tranquillement, j'attends. Qu'elle soit toujours blanche. Du moment qu'elle passe rouge, c'est qu'elle se pose. Non, bleu. Oui, bleu, ouais. C'est qu'elle se pose. Donc, hop. Et à ce moment-là, je te barre. C'est-à-dire que tant qu'elle est blanche, elle te suit. Tant qu'elle est. Voilà. Dès qu'elle est bleue, elle est par terre, en gros, et elle va exploser, voilà. Et t'as juste le temps de te barrer. Non, en fait, ça fait un. Ça va faire. C'est comme les cônes qu'on avait avant, l'électricité. Voilà. Sauf que là, ça fera une boule qui va grossir. C'est pour ça qu'il faut être le plus loin possible. Ok. Et quand il y a des ads, eh ben, il faudra focus les ads. Tranquillement. Tout simplement. Non, c'est bon, t'inquiète. Donc, vous inquiétez pas, je vais l'emmener sur le côté là-bas exprès, au départ. Au lieu, on l'emmener faire un petit tour. Ah, tu veux le faire là? Ouais, ouais. Je sais pas, cette bague, il y a beaucoup trop de points rouges là sur ma map. LOL. Dis non, on peut tanker. Eh merde. Oh. Ah non. Ah merde. Je suis stun. Ah, ouais. Tu l'as esquivé quand même. Ah mais je l'ai mis au premier. Le truc de Colto en fait m'a bloqué. Attends. Ah, encore oh moi, non, et... Rémi. Non. Oups. C'est bon pour les ads. Enfin, ceux que j'ai pu voir, en tout cas. Ah, il y a une soif, hein. Cours, 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 Preda, Preda, Preda. C'est moi ou ça grossit au fur et à mesure du temps? Oui, c'est oui. Ça. D'accord, ok, c'est pour ça. Tu comprends maintenant pourquoi on a dit qu'il faut les, ouais. Les mettre à l'ouest. Ouais. Sachant qu'en HM, en plus que ça, en fait, tu peux le faire au centre. Et toutes les plaques que t'as en dessous de la lave peuvent avoir du feu. Là, si tu veux, tu peux dépêcher en AOE quand c'est comme ça. Hein. Parce que j'essaie de les garder sur moi exprès. Les. Ok.
Bah, c'est ce que j'ai vu qu'il y avait un mob à côté qui avait presque plus de vie, du coup j'ai sorti mon AOE. Bah, c'est ça en fait. Ça va pas par là ? Ah, mais vous avez posé là. Ah, d'accord. Je l'ai posé là-bas celle-là. Bah, ah, okay. Comme j'ai posé l'autre en fait. Il y en a deux. Ok, ok. Pourquoi ? Vous avez pas eu de problème là ? Tu pouvais rester où t'étais ? Ah non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, comme ça, dès qu'ils sortent les autres, je les prends. Ah, c'est moi qui l'ai. Du coup, il fait chier, il m'a fait perdre mon instruction. Yeah. J'ai oublié de faire un truc tout à l'heure. Oui. Me vider. Oui. T'as toujours avec t'as ton toujours inventaire. Ton inventaire plein à craquer quoi. T'as ton inventaire plein à craquer là. Non, tu peux non, pas faire de la désintégration un peu. T'inquiète. T'as la soute. Elle est où, elle est où, trucs de toute façon. Elle est où. Elle est là. Sinon, je l'achète, je l'ai pas acheté sur Aldarine. Mais... Non, mais je l'ai, moi, hein. Je l'ai, la soute. Attends, moi, j'ai plein de trucs à déconstruire, il fait aussi. Ah, la soute d'héritage, je l'ai. C'est du bas level, ouais. Lui, il est 306 qui raffine. Voilà, tac. Ça t'évitera de trop déconstruire de conneries. Et ben, je vais mettre ça là, le truc de design. D'ailleurs, tant qu'à faire, on va faire ça aussi, hop, et on va faire. C'est bon pour moi. Alors donnez-moi juste un instant. Par contre, fais attention parce que ça dépop assez vite. Hein. Ça dure, je sais plus combien de temps ça dure. Bah, tu regardes sur ton debuff, toi. Oui, je suis... Ouais, je suis... T'écoutes. T'as mis un droïde message en même temps ? J'ai tout mis. Il y a besoin. Il te reste. Non, c'est la druide repas. Alors j'ai mis la sauvage dans mon truc. Voilà. Attends, druide repas. Druide repas basique. Hein ? Pourquoi t'as mis un basique et un avancé ? Non. C'est un messager de terrain et un réparation avancé. Il doit y avoir un problème sur le nom. C'est écrit druide de réparation basique, c'est le symbole de la soute. Lol. Il y a un bug sur le nom. Bah, moi ça marque bien pourtant druide de soute héritage. Moi, je veux droïde de réparation avancé, droïde de messager de terrain et droïde de soute d'héritage. Ah bah comme moi. Réparation, messager, réparation. On attend de prendre. Stop, ah ouais. Oh merde. Dans le vent. J'ai failli. Par contre, il y a les deux gros qui sont partis derrière. Qu'est-ce qu'il a à se plaindre encore? Bah, il est tourné au coin alors que j'étais en train de le soigner. Je jure. Lithion qui prenait le high ground avec son jetpack. C'est vrai qu'on a failli faire un truc, heureusement qu'il n'y avait pas d'ennemis en bas. Bah c'est le boss tout à fait en fait.
Ouais, mais je sais, mais je dis heureusement qu'il y avait personne parce qu'on aurait pu les agrandir. S'il y avait quelqu'un. Oh non, tu l'as bump. C'est bon, il est mort. Sur le truc, t'es bugué. T'es bugué. Oh merde. Il y avait un soldat infecté. Soldat infecté, c'est pire. Non, non. Là-haut dans le vent. Je te vois pas, t'étais tôt. Bah non, mais en fait, ouais, ils m'ont. Ouais, mais t'as tourné autour du pilier. Ah ouais, mais j'arrivais pas à sortir en fait. Merde. Oh non. Rapport 1344 du professeur Ali Ingroll. Mes assistants et moi avons observé quelques résultats inquiétants. Les cobayes actuels ont un comportement très différent de celui des spécimens capturés sur Taris. Oui. C'est comme si j'ai relooté un des casques que j'avais. Le virus possède une impressionnante capacité d'adaptation. Encore un. S'il a raison, on aura encore plus de mal que prévu à trouver un remède. J'en ai marre. Mais pourquoi pas faire comme le Stefan Deronien, tu sais, varier un peu le skin. Toujours donner le même. Oups. J'ai pas confiance. Attends, je vous les envoie les deux là parce que. Oh, c'est le boss, ça. Bon, c'est comme le tout premier en fait, c'est une grosse bébête. Sachant puis, que. Il a bien fait des câlins. Voilà. Et il a pas d'aggro vraiment fixe en fait, il reset son aggro très 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 fréquemment. Moi je peux pas faire d'autres. Ah d'accord, j'avais plus le mec sélectionné. Ah, il fait des câlins sauvages, hein. Ah, mais il est déjà mort. Ah, je vois un truc bleu. Cadeau ? Non, non. Ok. Allez, Elure. Sautez là-bas. Mieux, hop là. Que tu es très gros ici. J'adore, puis tu l'entends résonner derrière. Ah bah carrément. Quoi, un truc bleu? Quand pour moi. Vas-y, Else. Donc, ouais, vas-y. Mais vas-y. Je le sentais venir. Ouais. Eh merde. Ouais, c'est maintenant que les réjouissons commencent. Oh, bien raté. Ouais. Et c'est le bang.
Voilà, c'est les bonnes réjouissances. Sarcastiquement, c'est-à-dire qu'il risque d'avoir un mort. C'est ooh, possible. Nice. Attends, quoi? Quoi, mort? Oui. Donc, ce boss, il y a plusieurs choses à savoir. Sachant que tu vas être le gros. Ouais, on va d'abord faire cinématique comme ça. Est-ce qu'on peut sauter dans la lave? Bah si oui, tu peux mourir si tu veux. Si ça t'amuse. Pas qu'une fois, hein. C'est toi qui vois après. Hein. Else voilà. J'avais appuyé pourtant. Moi, je marcherai jamais sur un pont comme ça, quoi. Et plus de courant. je dis rien, mais il y a un moment comme ça. Ah, mais tu. Parce qu'à elle, tu l'as jamais fait du coup. Bah non. Ouh. Tu peux forcément. Bonjour, bébête. Bon, est-ce qu'on peut le pousser dans la lave? Ça, non. C'est moi ou son truc s'est relevé? Son pas. J'ai vu. Donc en fait, celui-là, il y a plusieurs choses à savoir. Premièrement, je vais le placer au milieu. Donc je n'ai pas de DPS tant que je ne l'ai pas placé. Bah voilà, là. Merci Lithian. Il va faire plusieurs choses. Hein. Au bout d'un moment, il va se prendre pour King Kong, il va taper sur son torse. Oui. Quand il fait ça, faut vite aller lui... Non, j'allais dire une bêtise. Faut que tu ailles juste dessous lui. Faut que tu ailles sous son pagne, tu vois. Et il faut vraiment être dessus, parce qu'une fois qu'il aura fini de taper sur son torse, il va sauter sur place et ça on va pousser tout le monde et du voilà. Coup ça risque si de nous foutre dans la lave. C'est ça, si on n'est pas pile poil dessous, en fait, ça excentre complètement le bump. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au bout d'un moment, plusieurs fois même pendant le combat, il va sauter sur une des quatre cuves, là, que tu vois, sur les côtés. Là. Trois. Un, deux. Ah oui, non, ouais, trois. Non, trois cuves, pardon, ouais. Sur une des trois cuves. Toi, tu vas, vu que t'es le seul distant, tu vas continuer à DPS. Tu vas le DPS comme un porc. Ok. Moi, j'irai activer la console. Ok. Et bah, il y a pas besoin de gérer le colto vu qu'on a un heal avec nous, donc c'est bon. Après, il va revenir. Je vais le reprendre. Je vais le ramener au milieu. Et ça va être comme ça tout le long. Plusieurs fois. Ça marche. Très bien. Ben, allons-y. Ready ? Ah, bien, attends. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah j'ai perdu mes charges. Ah oui, bah ouais. Bon, ça c'est pas trop grave ça encore. Oh ça fait déjà ça de moi. Si oui, ouais. Je taffe fort hein, forêt. Oui c'est vrai. Ouais. Bon allez c'est parti. Allez dessous. Et un mort. Compagne. Je peux pas bouger. Ah putain, oui, au fond, effectivement. J'avais dit qu'il aurait au moins avoir un mort. Non, mais je pouvais pas bouger en fait. Quand t'as dit sous le boss, bon, j'étais bloqué sur place en fait. Ah bon? Ouais. Merde, je l'ai plus là. Oui, vers le haut. Ah, si t'es vraiment en dessous, tu voles, mais verticalement. Je sais pas si j'ai été un peu plus haut parce que j'ai sauté. Il va être sympa ce boss. Ouais, mais coup, non, c'est bon, elle, t'inquiète, c'est bon. Toi, balance tes sabres, fais. Fais-lui un peu de dégâts. Hein. Fais ce que tu peux, mais bon. Bah, j'ai pas grand chose contre lui à distance. Hein. Bah, ton cri. Non, c'est 10 mètres son cri. Hein. Bah, si, 10 mètres ça passe, hein. Moi j'ai j'arrive à le mettre. J'ai commencé de double lancer de sabre laser. Putain, en plus j'avais mis mon déplacement phasique. J'ai pas eu le réflexe de l'activer pendant que j'étais en train de voler vers la lave. Je pense pas parce que pendant que t'es volé, ça en fait. Ça marche pas. Au revoir. Ah, c'est dommage. T'as pas accès au sort. Ouais. Je vais un peu balancer la sauce parce que j'ai peur que. Ouais, il risque d'être en orage après. Ah, sympa le point de vue. C'est hein, King Kong. On va cacher ça comme ça. Oh, le coup, il a bougé avant de sauter. Il y a eu d'autres morts? Ah non. Non, pas encore. Il a bougé avant de sauter, du coup, il s'est un peu décalé pour. Ah, il est vicieux des fois. Hein.
Non mais c'est contrôlé par un joueur, c'est pas possible. Vas-y, j'essaie de faire du... Ouais, ouais, vas-y, vas-y, t'inquiète. Prends un colto, Els, prends un colto. Et bah, même à côté de toi, Clara, je peux pas l'avoir. Non, c'est pour ça. Je vais faire que c'est un peu de DPS. Non, mais après, les nuages sont très sympas, quoi. On sait que t'aimes le ciel, Jace. Puis la... Allez, dessous. La chute de lave, quoi, elle est jolie aussi. I believe I can fly. C'est ça. Puis de temps en temps, il y a des gens qui volent. C'est vraiment sympa ici, je suis bien fait de venir en vacances, quoi. Ça va, il fait bon ? Ouais, t'as ouais, pas trop fait, froid, il fait c'est un peu, bon il fait bah un peu oui, chaud, quand même. Il fait un peu chaud, là. Concentre-le. Il n'y a, pas de clim. J'essaye, mais il veut salut pas venir. Ah, mais il faut vraiment... Coucou. Attention, j'ai peur que... Ah, ah, techniquement, je pourrais me destun pendant qu'il me vole. Il y a combien ? 39%. Tiens, prends-toi ça, gros tas. Depuis tout à l'heure, pas, DPS. Voilà, cette fois, il bougera plus. Là. J'ai peur quand même qu'il y ait une phase d'enrage. Hein. Je vais me... Elle est enragée, là. Dégâts infligés, plus de 100%. Ouais. Oh, merde. 30%. Pinaise. Oh, autant dire que là, ça... Oh, le fumier, c'est certains sont pas coopératifs. Pourquoi tu dis ça, en Camisane? Des fois, il y a des guilds qui jouent ensemble, mais ils s'entraident pas. Ça va, pour l'instant, je tiens. Ah, oui. C'est bon. Du genre, ah ouais, t'étais nul sur ce coup-là, donc tu dégages. Ouais. Ouh, j'en ai vu ouh, un, merde. Ouh, elle... ah. J'étais à 10 cm trop sur la droite. Il a presque plus de vie. Ah, j'ai claqué un CD. C'est le défaut, j'étais à fond sur lui et pas regarder ma vie. Oh, c'est son crachat à faire mal. Il reste 300 000, ça va être chaud. Il a 19%. C'est sien, Clara. Ah, tu l'as cramé, génial. Oula, par contre. Ouais, tu prends des mandats. Ah bah, ouais, je peux plus te tenir, puis j'ai fait des instants pour faire du DPS, donc... Oui, non, mais ça c'est bien. 220 000. Totalement hurlé, ton micro, il s'est pisté tout bon, seul. Eh bien, Aldar, il est mort. Bon, et là, ouais, Aels va réussir à vaincre le boss tout seul. Non. Là, c'est pas possible. Homme de peu de foi. Bon, bah, Aels est mort. Yeah, retour au centre médical, du coup. Le peu de vie qui me restait est parti en un seul instant. Ah, bah ouais, il tape mal, il fait déjà mal en normal et en rage, bah alors là. En orage, ouais, c'est. Et en il HM, en orage. En heal, faut se tenir. Oh, puis, j'ai fait tout claquer. Voilà, en fait, la seule difficulté de ce boss, c'est qu'il faut être sous ses roupettes, quoi. C'est la seule difficulté. D'accord. Enfin, mais désolé pour vu, ça. Hein. Ah non, mais moi je mets la caméra loin, comme ça je suis sûr de. Ah, parce que sinon. Si t'es en première bon. Personne, je te dis pas. Ouais, non, ça doit pas être sympa, non. Tu peux essayer de jouer. Mais c'est une première personne avec verre. Oh là là, laisse tomber. Tu vas me faire vomir. C'était le but. C'est le boss le plus chiant, hein, lui. Surtout encore un des boss en fait qui est sous en rage. Mm. Un peu en rage. C'est déjà bien qu'il parle pas. T'imagines s'il parlait comme Gollum. Regardez sur le pagne. Non. C'est à ça que je perdis tout à l'heure. Ça les abîme. C'est pas déjà fait. Là, tu le fais bien. Ah, petit café, là, ça fait du bien. C'est éclairci, la voix. Du coup, quand il fait son truc pour sauter, il se met toujours au milieu ou... Non. C'est pour ça, justement, que j'essaie de à chaque fois de le tanker vraiment au centre.
Et il fait même des variantes parfois. Ouais, il saute juste un petit peu sur la droite ou la gauche pour nous avoir. C'est pour ça que au départ, pas de DPS, comme ça le temps qu'il vienne sur moi au milieu. Okay. Et après, bah, dès qu'il commence à taper sur son torse, youp. Ok. Ah, je t'avais pas mis. Ouais. Allez, go. Ça marche, Okami-san, tu nous dis, fais signe sur le Discord, Pierre. Allez, sous le torse. Je vole un peu plus haut que vous si je saute en tout cas. Oui. Bouffe-toi ça. Allez. Bon bah voilà, c'est tout ce que je peux faire. Ah, pas sûr. Non mais j'adore le crachat à tête chercheuse. On en parle ? Ce jeu a des logiques qui est vraiment très tendue de des tirs. Je peux lui sauter dessus là. Ah bah, pourquoi je peux plus lui tirer dessus là? Impossible de voir la cible. D'accord. Oui, parce que c'est qu'il est en train de revenir en fait, c'est pour ça. Ah, il a une unité. Ça avance vite. King Kong! Techniquement, je pourrais me destun dans le solo. Ah, et oui, AL, c'est Jay. Si je prends le colto en sortant, c'est parce que le fait d'utiliser le colto, ça augmente un petit peu mon aggro. Donc vu d'accord. Que toi tu fais du DPS pendant que moi je peux pas en faire, c'est pour éviter de la perdre dès qu'il revient. Si tu montes bien ton aggro, t'as... Oh punaise. Ouais, mais je préfère éviter, c'est... C'était juste. Hein. C'est la perte d'aggro, ça peut aller vite. Je suis fier de moi, j'ai maintenu mon la même affliction depuis le début là pour l'instant. Ah bah GG. Et comme ça on s'en rend pas compte. Mais t'imagines même pas le DPS que ça apporte en fait à la fin sur un combat. En économisant des clics et donc du temps. Ça va aller pour un... GG. C'est vachement plus facile quand les deux DPS sont là quoi. Ah puis j'ai DPS là, j'ai beaucoup de DPS. Ouais. Pour que ce soit plus simple parce que sinon... Du coup, on doit monter là? Yes. Ouais. Et là, il coupe le courant et on tombe. C'est dommage qu'on ait pas, qu'on puisse pas voir justement un peu les statistiques avancées du combat, genre combien de dégâts absorbés, combien de dégâts soignés. Hein? Tarpas, je sais pas s'il fait tout ça, mais il DPS, ton HPS. Ah, il peut te montrer au moins tes infos à toi? Ça c'est, pas, ça c'est pas non, mal du coup pour voir. Ah, absorbé ou quoi. La sonde a été touchée. Ouais, c'est. Non, désolé, passé c'est passé pendant la sonde avant. Ouais, pas grave. Enfoiré. On est mort. Ah, pour toi, on sera débarrassé. On remarque qu'elle nous endettera pas plus loin. Après, on verra peut-être pas la prochaine fois. Au pire, faudra que je regarde cette carte-là. On peut se faire quelque chose. Canyonnière à Goulibrid. Star Parts le fait normalement, le mien marche pas, d'accord. Donc là, c'est des as, il faut focus. De
droite à gauche. Ouais, Camisa, de droite à gauche. T'es connecté au jeu là ou pas? Parce qu'il faut que tu sois connecté pour prendre la vie dans la vidéo. On est les seuls sur île perdue. Ouais. Dans la stance. Pourquoi je peux pas leur faire des dégâts, c'est ragoût. Parce que faut qu'ils sont protégés par les as. Ouais. Hein? Les as. Les Ok. En fait, les ragouls, tu peux pas les toucher tant que. Enfin, les ragouls à quatre pattes, en fait, tu peux pas tant que. Ouais, ils sont minimisés quand même. Voilà. Tu vois, regarde, il y a 3 as, il en reste encore un là. Et le problème, c'est que je peux même pas les aggro en fait, si tu préfères. D'accord. Parce qu'il y a le bouclier qui. Bah, le petit de. Attends, ouais. Ah non, c'est... Pardon. C'est bon. C'est fait. Welcome. Bienvenue, Mamia. C'est Okami-san, du coup. Ok. C'est un pseudo que je vais apprécier, ça. Rapport 1408 du professeur Sanus Lorik. Le virus modifié est prêt pour le test grandeur nature sur l'hégémonie de Tion. Les premières planètes vont être infectées à 100%. Leurs habitants deviendront des Rakghouls, sous mes ordres. Ils viendront grossir les rangs. Quand je me serai occupé de l'hégémonie, il est fou, je poursuivrai en fait. Ma campagne. Il avait déjà un, ouais, il avait déjà jusqu'à engloutir les ruines de l'Empire et de la République. C'est Luxite en fait. C'est Luxite. Ah, peut-être. Bah, et Amaterasu en nom de. En nom d'héritage, ça dit quelque chose. C'est possible, oui. Dans Stargate, c'était une voix où. Bah, c'est pour ça que ça fait penser à ça, chaque fois. Mmh. Après la. DS japonaise de je sais plus quoi. Oui, c'est d'accord, Luxite. Luxite, c'est pas ça? Parce que je me disais d'ailleurs, c'est... je me demandais. C'est on l'a vu que je t'avais fois, pas je vu. Crois, Amaterasu. Bah, seulement à la fin, faut en prendre une vie, c'est. Et du coup, Luxite, enfin, le perso Luxite est toujours dans la guilde, non? Oui, mais après il est ailleurs, il est chez les Bane, je crois. Du professeur Sanus Lorik. Okay. Quelque chose que je vois côté sur l'hégémonie vont au-delà de mes espérances. C'est triste. Ah, c'était ça le OK. Virus sous un autre angle. J'ai compris que ce n'était ni une maladie, ni une arme. Les infectés deviennent plus grands, what plus rapides, plus forts. Leur la chargeuse qui est optimisée. Si j'arrive à l'avoir. Ce virus nous rend parfait. Il faut le répandre dans toute la galaxie. On m'a ravi de t'en revoir. Mais il est taré ce mec. Je peux avoir la priorité sur le fait de le tuer. Si tu veux. Tu verras par toi-même que c'est pas aussi facile de le tuer. Ah mais je sais, ça va faire comme dans Resident Evil, il aura. Par contre, il va être méga ragoul. C'est Wesker en fait, c'est ça? Vas-y, elle spool. Vas-y, pull. Tu verras, c'est marrant. Tu rêves. Ah t'as 20 persos. D'accord. Perso, bah ouais, c'est ça, je vois. Quinzaine, 9 ici. Ils sont moches en hybride, hein, quand même. Y'a rien qui viennent de pousser et qui sont pas détaillés. Ah, mais c'est pas moi là. Là, c'est pas moi parce que j'ai bien fait attention. J'ai bien fait attention à pas faire d'attaque de zone. Pendant un instant, j'ai cru qu'ils étaient en train de taper le droïde. Ouais, ça a fait trop beau. Non, mais. T'imagines, tu rends un ennemi furtif qui trigger le droïde et le droïde attaque l'ennemi furtif. Ah, le mieux, si tu mets ta fichette explosive, tu fais ton bump et tu regardes le résultat. Ok, qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Ne cliquez pas sur le truc. Oui. Échantillon transgénique. On va expliquer avant. Bon Dieu. Voilà, par contre, c'est Lithian qui va l'expliquer celui-là parce qu'il explique beaucoup mieux que moi. Sur. Moi, bah, c'est facile, il suffit de regarder au-dessus. Il y a une espèce de truc cryogénique.
Non, mais les petites pointes de stalactites. Ah oui, ouais. Tomber. Bah, monsieur va taper et va faire tomber les stalactites. D'accord. Donc, en gros, avant de nous suivre, on est gelé en plus, donc on est ralenti, on sera ralenti. Il faut tout le temps être en mouvement. Ouais, autant mettre. Et puis, claquer une préda, c'est possible. C'était de plus en plus ralenti en fait. D'accord. Dès qu'elle est up, ta prédation à Els, faut la claquer. À ce moment-là aussi. Prédation. Ça arrive, je crois. Prédation. Qu'est-ce que c'est la prédation ? Prédation. Ah, ok, trouvé. Sinon, c'est tout, il n'y a que ça à faire en fait. Oui, oui, il y a juste ça à faire, attention. Dès que je peux, je le fais, c'est ça ? Ah ouais, ce qui se passe. Non, dès qu'il fait son attaque, je serai plus efficace. De toute façon, elle revient vite à la prédation. Hein. À force de taper. T'as le point quand même. Rapport complémentaire du professeur Adi Ingroll. Le professeur Loriki est devenu complètement dingue. On sait maintenant qu'il n'a jamais travaillé sur un remède au virus. Il a créé des choses à bon soigner le boss. Il faut qu'on l'arrête. Quand j'aurai effacé ses fichiers, on essaiera mais arrête de le soigner. J'ai peur qu'il ait recours à la violence. Il est con. On n'a pas le choix. J'aurais dû mettre un rempart de colto. On aurait pu l'achever avec une overdose. Prédation. Bien sûr, on évite de se croiser. Hein. Oui, oui. Bouge, Els. Bouge. Ouais, non, mais je bouge suffisamment normalement. Ah, j'ai plus d'instant. Mais c'est magnifique les stalactites, cette chercheuse. Et tu peux pas rester à côté d'un stalactite tombé au cas où? C'est genre il tombe dans le fond. Non, non. Parce que bah, plus tu restes à côté, plus ça te fait de dégâts en fait. Parce qu'il faut que tu oui, oui, bah au bout d'un moment, si tu restes trop longtemps, oui, une qui tombe, elle te reste. Allez, faire ta vache. Oh merde. Ah ouais. Ah, nous gèle petit à petit les enflures. Eh oui. Quasiment fait bouger. C'est pour ça en fait qu'il faut bouger tout le temps. Parce que si tu bouges pas, bah tu gèles sur place directement. Non, voilà. Attention, merde. Ouais, c'est quand même. Ouais, c'est bon, j'ai cru que ça allait continuer, mais. Non. Nice. GG. Et voilà, boss bonus fait, monsieur. Et une caisse. Pourquoi tu fais pas le... Qu'est-ce qui se passe? Le... Bah j'essaie de... Je sais pas, il visait rien, mais il... j'arrive pas. Donc là, changement de focus. Maintenant, ça va être les infirmiers. Ah bah sinon tu veux... Ouais, je peux la contrôler. De toute façon, je vais pas le... Ok, infirmier vu. Je saute sur la brute pour la monter tout de suite, mais vous, c'est vraiment focus infirmier. Ça marche. Infirmier, il est là. Non mais, depuis derrière, je sais qu'il est fou le gars qui a fait ça, mais est-ce qu'on en parle de à quel point il a géré sur son expérience? Il a réussi, hein. Oh, tu verras la fin. Ah mais c'est très évident que ce sera qu'un dans Resident Evil. Là, sur le pack qui arrive, c'est la chargeuse, forcément. Ok. Oh mais qui c'est qui pout ah. C'est la chargeuse. Elle charge. Ouais. Tout est dans le nom. Elle est arrivée tout de suite derrière dans notre dos. C'est ça. Ah ouais, non mais elle saute et... Vous l'appelez Flash en fait. Quelquefois t'arrives, quelquefois à la contrôler, mais c'est très chaud.
Donc là, infirmier, pareil. Ok. Non mais, faut laisser le temps quand même de target la cible. Parce que c'est non, pas parce que tu l'as que tout le monde l'a. T'inquiète. Tu peux gérer un viser une cible quand c'est dans un tas de cibles. Hein? Tabulation. Ah non, non, ça prend trop de temps. J'y serai encore à un moment où tu parles. Après tu peux pointer ta souris comme j'ai fait. Ouais. Là, l'infirmier, puis l'as. Ah ouais, j'ai vu, ouais. Ok. Ouais, à cut des swamps. Attention, il y a un droïde qui arrive. Si on l'attaque pas avec des AOE, c'est bon. Hein. Je l'ai touché avec mon AOE. Ouais, ouais. Ah, ok. Explosion. Pas grave. Ah, parce que c'est vrai qu'il est casse-pied. Et voilà. Et maintenant, le boss de fin. Et là, les dialogues sont sympas, là. C'est marrant. C'est aussi marrant là de passer parce qu'il bug. Ouais, des fois, c'est vrai que ça bug. Ouais. Il bug si tu passes tous les dialogues. Bienvenue, ah bah, Lucite. Ça fait plaisir. Bah ouais. Y'a pas d'activité chez les Bane. Vandale, assassin. Bah pourtant, ils vous sont pénétrés dans mon labo et massacrer mes actifs, quoi. Les Bane. On m'a payé pour vous tuer. Elle me gênait le passage. Vous êtes loyal envers le plus offrant. Je me demande combien de temps vous tiendrez avant de trahir vos maîtres. Je crois qu'ils étaient nombreux. J'ai eu le même problème avec mes assistants. Ils ont saboté mes fichiers, tenté de détruire mon labo. Mais bon, depuis qu'ils ont muté, ils sont devenus bien plus dociles. C'est une solution temporaire. Connaissant l'empereur, il voudra quelque chose de plus radical. Peut-être qu'il vous faut un nouveau maître, quelqu'un qui a l'esprit plus ouvert. J'ai trouvé comment faire évoluer le virus. Chaque nouvelle souche est plus forte que la précédente. Vous pouvez détenir la puissance. Laissez-moi vous injecter le virus. Vous évoluerez au-delà de vos rêves les plus fous. Si votre dernière version du virus est si parfaite, vous avez qu'à vous l'injecter. Je voulais juste gagner du temps. Je me suis injecté la dernière souche du virus juste avant votre arrivée. Évidemment. J'aurais peut-être dû expliquer avant, non, parce que, non. Comment il fait s'il est son propre esclave? Qui c'est qui obéit? Bah, c'est un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi. C'est chacun son tour. Terrifiante beauté de l'évolution à son apogée. Ouais, quelle beauté. Contemplez ce que vous auriez pu devenir. Que de toute beauté. J'étais le premier à dégainer. On recule. Comme ça, on va pas. Alors, on va dire P1, on va dire. le boss va poser des AOE. Faudra sortir des AOE, au pire, je dispellerai ceux qui resteront trop dans dedans. C'est pas 30% en fait, un truc comme ça. Pendant la P1, il n'y a plus d'AOE. Ouais, c'est quand il lui reste 30%. Mais. Et c'est la P2. Ouais. Ça change rien. P3, il va se transformer et là c'est du burst. Tu le prends à l'entrée dans un coin? Je vais le prendre et je vais l'emmener directement vers l'autre cuve là-bas. Et au fur et à mesure, donc, en fait, il y a des cuves à faire. Voilà. De manière anti-horaire. Dès qu'elles arrivent, dès qu'elles pop, faut la dépop. La première, voilà. C'est celle qui est là-bas. C'est du pop des pop. Ouais, c'est celle qui est là-bas au fond. Donc je vais l'emmener directement là-bas. Ne soyez jamais à côté les uns des autres. Pour éviter de cumuler trop de d'AOE sous vos pieds. Mais elles sont petites, hein, les AOE, hein, donc il n'y a pas besoin de beaucoup se décaler. Hein. Mais toi, pas tout de suite, recule tout doucement. Je vais mettre vers les. Recule, en fait, je vais lui sauter dessus, je vais reculer vers les tuyaux. Ouais, mais pas tout de suite. Non, mais ces tuyaux-là, là, je te parle. Les tuyaux qui sont en face de moi, là. Et après, j'irai vers la cuve.
Mais ah, je laisse pas là parce que c'est chiant pour viser après. Donnez-moi juste 30 secondes vous êtes... que je me nettoie les lunettes. Ouais, vas-y. Mais attends. Il y a poussière ces lunettes. Hein. Ah, encore un guildé, non? J'entends le clavier. Que... Ça sera plus simple. Allez, bah c'est parti. C'est au moment où tu l'as mis que j'avais fini. Ce truc vert, c'est toi, hein? Personne. Non, c'est pas moi. Non, c'est le boss, hein? Les enfants vont dévorer. Voilà la cuve. Qu'est-ce qu'on en fait de tes enfants? De la bouillie. Au niveau DPS, ça va. Ah, vous ouais. Pas arriver jusqu'ici. Bon, bah, je vous laisse DPS le petit mob. Hein. Ah, il restait. Ah, il restait. Oh, attention. Qu'est-ce qui se passe si on se fait avoir par son truc vert? Tu meurs. Ah, on se transforme pas. Si tu restes trop longtemps dedans, tu meurs. Tu prends des stacks et puis tu prends plus de dégâts normalement. Mes enfants vont dévorer. Ça aurait pu être drôle que je me transforme en fait. Ah non, c'est pas ça, c'est pas transformé là, c'est. Je vous voyais pas arriver jusqu'ici. Ah l'enfer, il en a mis une là où je suis passé. Ah ouais. Au cac c'est horrible. Ah non, il est vraiment horrible pour le cac ce boss. Et quand t'as plus que deux cac. Les enfants vont dévorer votre chair. Vous voyez pas arriver jusqu'ici. Non, ça va, niveau DPS, on est pas mal. Ah, tu m'as fait peur. Ah, tu m'as fait peur, personne. Ah, attention, ouais, j'ai... Les enfants vont dévorer votre chair. Nous sommes le point culminant de l'évolution. Ça y est, il passe en P2. Il n'y a plus d'AOE. Il n'y aura plus d'AOE. Par contre, il va se vénère. Ouais. Et il faut que. Il fait très très mal. Mon cut était pas up, sinon j'aurais cut. 22 secondes. Pas fait. Je vais vous arracher tous les membres. Réflexion. Non. Ah, allez, dernière phase. Je suis la perfection. On reste, tu vas à l'entrée? Ouais. Bon, j'attendais qu'il explose en fait. On est direct, je vais associer. Mais j'ai bouletté. Oh, il vient de nous vomir dessus ou c'est moi? Ah bah attends. Ah mais c'est rien ça. Et pendant un instant j'ai cru que le boss est en train de prendre un level. Imagine, pendant que tu joues, le boss devient plus fort, il prend un level. Ou il est quasiment mort, il prend un level up, du coup sa vie est pas 100%. Ça fait des chocs à pique.
Non, on est bien, hein. Il y aura pas d'enrage, hein. Oh, ça va, je suis du DPS. Oui, bah oui. Ça, j'ai bien vu. Par contre, il a une agro fragile, hein, quand même. GG. GG. Père. Je qui se réveille. Bon, ah non, j'étais complètement concentré sur le fait de maximiser mon DPS. Ah, presque 11 000. Non, je suis à 9 000, c'est ça. 9 000 30. Ouais, c'est que ça t'annonce que. Voilà. Wow. Comme d'hab. Hein. Yeah. Et voilà. Il faut. Ah non, il faut quand même retourner voir Dark Nurin. Faut quitter, parler de Dark Nurin et puis. Et là, le truc que tu veux. Ah, il manque Kratos. De salaud que tu peux faire, c'est que tu peux le grapp avant qu'il finisse de caster. Oh, ouais. Pire. Mais là, c'est trop tard. Ouais, après, je peux faire ça. Hein. Merde. Moi, j'aime bien le faire, moi, quand les gens ils vont pour ramasser leur loot. Tu les vois aller vers le boss pour ramasser. Non, t'iras plus tard. Et voilà, vous avez plus qu'à parler aux gars. Et bon, ça, bah voilà. Plein. Du coup, Kaon et l'île perdue. Donc, du coup, je comprends mieux pourquoi elle se suivait. Effectivement, sympa. Donc il nous reste Terror from Beyond. La semaine prochaine. Il faut quand même qu'on fasse un saut à Trou Noir et à Section X. Même si X, c'est juste une hebdomadaire, il faut au moins qu'on fasse une fois la quête qui qui sont sur place. Quoi. Non, tu te pointes, ils te donnent l'hebdo, ils te donnent les journalières et puis t'as plus qu'à faire. Voilà, et on le fait au moins une fois peut-être. Je sais pas si elles sont compliquées ou longues à faire. Non, il y a juste l'héroïque. Qui est un peu chiante. Ouais, sur Heroic 4. Il faut être 4. Mais. Ok. Ouais. Et après, on pourra commencer ça. Rise of the Hutt Cartel. Makeb. L'hégémonie de Thune nous a fait parvenir un message officiel pour nous remercier d'avoir éliminé le professeur Lorik. Ça ne fait aucun doute. Ils veulent faire bonne impression. Visiblement, la mort de notre rival envoie un message très fort au reste de la galaxie. Quel dommage qu'on n'ait pas récupéré les archives de l'Orient. Je vais vider mon inventaire. Non, on les a pas récupérées, ces archives. Ce Fragoul aurait trouvé une place de choix dans notre arsenal. Je croyais qu'on les avait récupérées. Tout le monde pensera qu'on a récupéré l'arme en découvrant ce qui s'est passé. Ça peut nous être utile. C'est vrai. La simple menace d'une nouvelle épidémie est une arme en soi. Mais je doute qu'on en ait besoin dans le jeu. On a éliminé l'imposteur qui voulait s'emparer du pouvoir et renforcer nos liens avec l'hégémonie de Thion. C'est une grande victoire pour l'Empire. La République va trembler de peur en apprenant la nouvelle. La République est vulnérable, mais elle n'est pas vaincue d'avance. Malgré tout, on a l'avantage. Et vos actions n'ont fait que confirmer la tendance. Sa future chute est inévitable. Oui, Elisabeth, oui. Ce sera un plaisir de retravailler avec vous. Si l'opportunité se présente. Bah, c'est la quête de la ZL, en fait, elle commence sur la station, il faut parler à un droïde pour faire le siège de Kaon, et en fait, il nous emmène parler ici, parce que là, on est en gros sur la flotte, on est à l'ombre de Zyost, quoi. Donc il faut venir, c'est dans la réserve qu'il est. Il nous vient là, et du coup, on fait en premier le siège de Kaon, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avant que tu arrives, et après, du coup, tu enchaînes avec l'île perdue, qui est celle qu'on vient de finir, là. Et voilà, donc l'île perdue terminée. Bon, bah merci à tous d'avoir suivi du coup pour la rediff. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt du coup pour la prochaine opération normalement. Mais ce sera pour dimanche prochain, le live de la semaine prochaine. Donc salut à tous. À bientôt.